Salut tout le monde, c'est Loudingue, on se retrouve sur Railway Empire 2, j'espère que vous allez bien. C'est toujours la campagne, le chapitre 4, nous venons d'obtenir de nouvelles tâches, et nous allons voir ça ensemble tout de suite. Alors nous devons avant juin 1879, atteindre le statut express sur une ligne ferroviaire entre Memphis et la Nouvelle-Orléans. Atteindre 40 000 habitants dans la Nouvelle-Orléans, livrer 24 chargements de planches de bois à Beaumont, livrer 12 chargements d'acier à Beaumont, livrer 24 chargements de planches de bois à Nouvelle-Orléans, et livrer 12 chargements d'acier à la Nouvelle-Orléans. Dit comme ça, ça fait beaucoup de choses. Voyons voir tout de suite le statut express sur une ligne ferroviaire entre Memphis et la Nouvelle-Orléans. Alors, mettons-nous dans notre sens habituel. La Nouvelle-Orléans, c'est ici, près du Delta. Ok, et Memphis, c'est tout au nord. Un express entre les deux. Rien de plus simple. On va créer une gare à la Nouvelle-Orléans. On va utiliser notre petit réseau ici avec Jackson. On va monter à Memphis. Alors, on a une montagne ici, faire attention. Mais à part ça... ça, rien de très compliqué. Allez, on y va tout de suite. On crée une gare à la Nouvelle-Orléans. Collision avec un bâtiment, d'accord. On va la créer... Ah, c'est gênant. Vraiment pas, là ? Pas du tout. Ah, gênant, gênant. On va la mettre comme ça, alors. Vos décisions de construction me coûtent du temps et de l'argent. Ok, et on va partir... On a une réserve d'Indiens, évidemment. C'est plus drôle. C'est toujours plus drôle quand c'est comme ça. J'ai pris la deuxième, d'accord. Ok, c'est parfait, ce sera celle-là. Ok, on va doubler la voie ici. De la laine vers Jackson. Un grill de gare, le sens des voies, ok, et on va faire une seconde voie ici. Et un grill de gare à la Nouvelle-Orléans. Ok, donc on a relié la Nouvelle-Orléans sur notre réseau. Maintenant, on va faire le plus court possible pour aller à Memphis. Sachant qu'on a une montagne impressionnante ici, au nord de Jackson. Je pense qu'on a la place de passer à côté de la rivière. Voyons ça. Ça se passe pas mal. On double la voie, évidemment. Le sens des voies. Et peut-être ici, un grill de gare qu'on n'avait pas fait. Ok, ça me paraît bon. Donc on va créer notre ligne ferroviaire. Memphis, Nouvelle-Orléans. Ah, on peut pas sélectionner la Nouvelle-Orléans. Il doit manquer un grill de gare quelque part. Là, il y en a un. Là, il y en a un.
Alors pourquoi le sens des voix? Ah, celle-ci. Ça me paraît bon. La Nouvelle-Orléans, Memphis. Il manque quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai bien un grill de gare. Ok. Problème avec la Nouvelle-Orléans. Je vais démolir mon grill de gare. Vérifier le sens de mes voix. Oh, ça me paraît bon. Hein. Remettre le grill de gare. La gare est un petit peu rouge. Je sais pas pourquoi. Quand je la sélectionne, ça marche pas. Ok. Alors à mon avis, on est face à un bug. Hein. On va détruire la gare. On va la refaire. Vous n'auriez pas pu construire ailleurs? C'est quand même fou cette histoire. Et ben maintenant ça marche, ouais ok, bah et c'était un bug, hein, pas de problème. Ok donc Memphis, la Nouvelle-Orléans, on veut quoi? On veut un trajet express, statut express. Désolé pour ce contretemps, il n'était pas de mon ressort. Hein. Donc, comme d'habitude, on va le nommer express. Hop. On va choisir notre plus rapide locomotive, la Deglen 701, en mode express avec voiture, restaurant, wagon postal et wagon de queue pour augmenter sa vitesse légèrement. On va se faire un petit dépôt de maintenance à la Nouvelle-Orléans. Et puis, pour faire un peu plus d'argent, on va créer une petite ligne, la Nouvelle-Orléans-Jackson. Avec la Brooks Mogul en fret, un petit train de fret entre les deux qui va partager de la bière, du tissu, ça va être sympa. Ça fera de l'argent en plus. En parlant d'argent, on a toujours des obligations à rembourser, mais on a beaucoup de choses à faire, donc on va attendre un tout petit peu. Donc le statut express est en cours. Atteindre 40 000 habitants dans la Nouvelle-Orléans, ça veut dire qu'il faut développer la Nouvelle-Orléans. Comment développer au mieux la Nouvelle-Orléans? Eh bien, en lui apportant un maximum de ressources. Livrer 24 chargements de planches de bois à Beaumont. Alors, où est Beaumont? Ça me dit quelque chose. Mais oui, bien sûr, Beaumont, c'est ici. Livrer du bois à Beaumont. Beaumont fabrique du bois. On doit livrer des planches à Beaumont. 16 sur 24.
Comment est-ce qu'on va pouvoir livrer des planches à Beaumont? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre construit des planches de bois? Knoxville. Knoxville fabrique des planches de bois et Pensacola aussi. On va aller se relier à Pensacola alors. Quoi d'autre? Livrer 12 chargements d'acier à Beaumont. Alors ça, c'est assez simple. D'ailleurs, c'est déjà en cours de route. Puisque l'acier, on le fabrique à Austin. Si on a un train Austin-Beaumont, c'est le cas. On peut légèrement modifier le train en disant qu'à la gare d'Austin, il donne une priorité à l'acier. On confirme. Et ça, ça va se faire tout seul. Regardez, livrer du bois à Beaumont, c'est en train de se faire tout seul, donc pas de souci. Livrer des planches de bois à la Nouvelle-Orléans. Donc on va utiliser les planches de bois de Beaumont qu'on va livrer à la Nouvelle-Orléans. Pour ça, on va faire un train dédié. On va créer un train Beaumont-La Nouvelle-Orléans avec la Brooks Mogul en fret. Et on va lui dire à Beaumont de ne prendre que des planches. Et on confirme. Normalement, ça fonctionne très bien. Le train se charge. Se charge pas. Ah, ah. Pourquoi? Peut-être qu'on n'a plus de bois en stock. C'est ça, 0 sur 14. On n'a plus de bois en stock. Donc nos scieries de Beaumont qu'on avait acquises lors d'un précédent épisode sont rentables. Ça nous avait coûté 220 millions de dollars et actuellement on a fait un bénéfice total de 225 000 dollars. Donc c'est rentable. Par contre, si on veut le passer niveau 2 pour qu'il produise un peu plus, ça va nous coûter 310 000. Donc faisons ça. Comme ça, on va produire 3,2 planches par semaine. Ce sera un peu plus. Ensuite, livrer 12 chargements d'acier à la Nouvelle-Orléans. Je pense qu'on va faire la même chose. On va prendre l'acier là où il est, c'est-à-dire à Austin. Ça fait un long trajet quand même. Est-ce qu'on pourrait pas faire un entrepôt à Beaumont, peut-être? Oui, je pense qu'on va dans ce cas-là faire un entrepôt à Beaumont. Et dans cet entrepôt, lui dire acier. Le train qu'on vient de créer, le Beaumont-La Nouvelle-Orléans, celui-ci, on avait dit à Beaumont d'avoir une priorité bois. En fait, on peut lui dire aussi d'avoir une priorité acier. Comme ça, il va prendre les deux. On va confirmer. Ok. Très bien. D'ailleurs, il est parti à vide. On peut peut-être changer. On peut sélectionner la ligne ferroviaire, mettre 0 train. Confirmer. Il va nous dire, voulez-vous quand même avoir une ligne ferroviaire avec 0 train? On va dire oui. Ensuite, on va remodifier et redire un train. Ça, le nouveau train va repartir de Beaumont. Il va se charger cette fois-ci. J'espère de quelques planches et de... prochainement d'acier. Situé à l'embouchure du Mississippi. Pas encore. L'acier n'est pas encore arrivé. Nouvelle-Orléans est l'un des ports de commerce les plus importants de l'Amérique. L'acier va arriver. Cela fait de la ville un point de départ idéal pour la ligne Sunset. Je viens d'être notifié par télégramme que le premier lot est arrivé. L'acier va arriver d'Austin, mais il n'est pas encore. Il doit être en route. Austin Beaumont. Il devrait y avoir de l'acier prochainement vers l'entrepôt de Beaumont en direction la Nouvelle-Orléans. Logistique de transport réduit le coût de construction de tous les bâtiments. Non, on va pas se battre pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'accomplir? On a accompli le statut express sur la ligne ferroviaire Memphis-Nouvelle-Orléans. Et on a livré les planches de bois à Beaumont. Alors, le statut express Memphis-La Nouvelle-Orléans, on va
On va le changer. Ça, c'était juste pour la quête. On va faire un Memphis Jackson plutôt. Trajet plus court, plus rentable, deux villes côte à côte. Je préfère. Ok. Et on a livré les 24 planches de bois à Beaumont. L'acier pour Beaumont, c'est commencé. Ok, très bien. Donc il faut développer la Nouvelle-Orléans maintenant. On peut rembourser nos obligations, je pense. 1 500 000, voilà, c'est fait. On n'avait pas les actions aussi ? Et si, des actions d'industrie. Puis l'action 4038. On voit pas très bien l'échelle ici, mais on sait pas très bien si on est au milieu ou en bas. Mine de sel près d'Atlanta. Non, ça m'intéresse pas. On manque pas d'argent, hein. On gagne 240 000 par semaine. On va donc développer la Nouvelle-Orléans. Pour ça, il nous faut quoi ? Des céréales. On en a du maïs, du bois, de la viande. Ok. Le maïs, la viande. La viande, on peut l'avoir à Pensacola. Le maïs, c'est plus compliqué. Il faut aller le chercher. Vous devriez vraiment accorder une plus grande importance à la maintenance de vos locomotives. À l'est ou au nord à Fayetteville. C'est un peu loin. Quant au bois, on en a juste là, près de Jackson. Ok, mais on va faire ce bois près de Jackson, ça peut être pas mal. Combien notre adversaire je regarde son... Si on peut pas l'acheter en fait, Hélène Gérard là. Ça nous coûte... Ah ouais, ça nous coûte cher quand même. On peut pas, on n'a pas les moyens. Ok, on va prendre le bois qui est ici près de Jackson. Il va nous falloir plus de voies ici. Hein. On va avoir beaucoup de trains qui vont arriver. On va passer à 4 voies tout de suite. Avant de rajouter des choses supplémentaires. C'est mieux comme ça. Sens des voies. Grille de gare à 4. Grille de gare ici également. Et nouvelle ligne ferroviaire. Le bois pour la Nouvelle-Orléans. Voilà. On a un train qui manque de... C'est le train de laine. Ah oui, d'accord. On va aller... J'ai dû casser la tour de ravitaillement, c'est pour ça. Voilà. Ok, donc la Nouvelle-Orléans va recevoir du bois. Pour lui fournir de la viande, on a Pensacola qui est ici, Montgomery qui est là également.
Et au nord, ça fait un petit peu loin. Sur notre réseau, on a Dallas, mais c'est très loin. Ok, est-ce qu'on peut... Ça va être difficile de sortir de notre gare ici. Faire une gare à Montgomery. Bordel, vous n'auriez pas pu construire ailleurs? Ah bah c'est la guerre, hein. Je pense pas que je puisse sortir de là confortablement. Oh si, je peux. Bon, ça va être super ralenti, mais... En même temps, c'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu de vitesse. On va le faire comme ça. 40 km/h. Alors, on a un assez grand pont. On va essayer de limiter un peu, sans pour autant faire un tunnel. Là, c'est mieux. Bon, c'est difficile. Après, ça fait des gros terrassements. Encore une panne ? Ça va vous coûter du temps et de l'argent. C'est pas grave, on le fait quand même. Le grill de gare. Le tour de ravitaillement. Montgomery, même chose. Voilà, et on va faire une liaison. Une ligne ferroviaire. Montgomery, la Nouvelle-Orléans, avec la Brooks Mogul. Il a été immédiatement entreposé. En fret. Tout marche comme sur des roulettes. À partir de maintenant, le transport des marchandises de ce secteur rural se fera par ma gare. Il n'a pas pris de viande. Parce qu'il n'en a plus beaucoup en stock. Ouh là là, mais elle s'étend partout. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau recherche-développement? On est en bout de course, on est en 1878. On augmenter la fiabilité de nos locomotives. On va faire ça. Plus grand chose à acheter. Réduire le coût de construction de tous les bâtiments. Oui, pourquoi pas. Ok, donc à la Nouvelle-Orléans. Là, le bois, le maïs. Il nous faudrait quoi? Du sucre. Il y a de l'acier. Une demande d'acier. Je ne suis pas satisfaite. Alors, le train de Beaumont. Beaumont n'a pas pris d'acier ou de planche. Que se passe-t-il à l'entrepôt? Ok, est-ce que la production d'acier à Austin est suffisante? C'est peut-être ça le problème aussi. Ah, il n'y a pas assez de stock. On produit 1,4 par semaine. Est-ce qu'on a assez de charbon? Oui. Est-ce qu'on a assez de fer? Oui. C'est un problème de production. C'est aussi parce qu'on envoie trop d'acier à Houston pour fabriquer les outils. C'était une... Rappelez-vous, une tâche précédente. Voilà, on avait mis priorité acier pour... On va couper l'acier pour Houston.
sera mieux comme ça. Carrément, on coupe l'acier pour Houston, on essaye de s'en souvenir. Donc la Nouvelle-Orléans. Retour à la Nouvelle-Orléans. Ce serait bien d'avoir du maïs. Il y en a ici, mais alors... On va y passer au-dessus de notre adversaire. On va le faire, hein. On va le faire. Vous ne pensez pas qu'une liaison ferroviaire suffit pour ce secteur rural? Alors si on fait ça... Avec un tunnel, c'est 405 000. Et ça roule pas mal. Donc, je vais prendre l'option tunnel. Grille de gare, sens des voies. Tour de ravitaillement. Ok, donc on en a accès à du maïs maintenant. On va faire un train direct. Maïs, Nouvelle-Orléans. Toujours la Brooks Mogul en fret. Confirmé. Voilà notre locomotive Brooks Mogul qui va se charger de maïs. Très bien. Alors, Montgomery fabrique de la viande, mais pas suffisamment. Montgomery aurait besoin d'avoir plus de bétail dans ce cas, donc on va... Parce que peut-être que c'est un... On aura deux solutions. Il n'y a pas de viande parce qu'on n'en produit que 1,6 par semaine, ou il n'y a pas de viande parce qu'on ne reçoit pas assez de bétail. Si, il y a du bétail. On va acheter l'industrie de viande. Ah, pas assez. Alors, est-ce qu'à Beaumont, on commence à avoir de l'acier à l'entrepôt de la destination de la Nouvelle-Orléans? Pas encore. Alors, notre Beaumont Austin, que fait-il? Il est là, il va vers Austin. On a bien dit priorité élevée pour l'acier. Est-ce qu'à Austin, on a vraiment de l'acier maintenant en stock? Oui, on commence à en avoir en stock. Ok. On a combien de temps pour faire nos tâches? Juin 1880, c'est la prochaine? On a 2 ans. Hein. Cette panne démontre de manière impressionnante ce qu'il ne faut pas faire. Ok. La production de viande à Montgomery est très légère. Donc le train Montgomery à Nouvelle-Orléans. Il y a du mal à prendre de la viande parce qu'il n'y en a pas assez qui est produite. Ça y est, il en prend 2. Il en faut combien à la Nouvelle-Orléans pour satisfaire la ville? Il en faut 0,4 par semaine, donc 2, ça va suffire à fournir pour 2 semaines. On a les céréales, le maïs, le bois, la viande qui arrive. Voilà, on est passé à 66% de réponse à la demande. On est en train de commencer à augmenter. Il faudrait rajouter du sucre. On va chercher le sucre. Dans les parages, du sucre. C'est compliqué. On en a ici près de Shreveport, j'arrive toujours pas à le dire. Et on en a près de Beaumont. Alors ça, c'est intéressant près de Beaumont parce que... La
Est-ce que Beaumont reçoit du sucre? Est-ce que Beaumont reçoit du sucre par voie terrestre, peut-être? Ah oui, exact. Alors, on va faire deux choses. On va prendre l'entrepôt de Beaumont. Et on va rajouter le sucre dans l'entrepôt. Et on va créer un train. Parce que là, il s'improvise en voie terrestre. On va créer un train dédié au sucre pour Beaumont. Confirmé. On va quand même lui dire de ne pas partir s'il n'a pas au moins 4 wagons de sucre. Est-ce que j'ai bien mis mon changement? Non. 4. Confirmé, confirmé. Voilà. Voilà, il a pris du sucre pour Jackson et du sucre pour la Nouvelle-Orléans. Donc le train, il fait Beaumont-La Nouvelle-Orléans. Qui est encore à vide. Décidément. On va le remettre à zéro. Alors, il redémarre de Beaumont et il se charge de sucre. Voilà. C'est bien. Il est pas vide cette fois. Donc ça fera du sucre pour la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans qui, j'espère, va bientôt arriver à 30 000 habitants. On est à 20 000. On est à 89% de réponse à la demande. On a le sucre qui est en train d'arriver. Il n'y en a pas l'acier. C'est dommage. Est-ce qu'on a une autre solution pour l'acier, peut-être? Non, il n'y a que Austin. Comment ça se passe, notre acier à Austin? On a un stock de 6 sur 13. On produit le train Beaumont-Austin qui est là, devrait se charger d'acier normalement. D'acier pour Beaumont. Ah ok, il faut mettre un deuxième train. Il n'y avait pas assez de trains, parce que Beaumont consomme aussi de l'acier. Donc il fallait un deuxième train. Parce que Beaumont consomme aussi de l'acier, c'est pour ça... Et oui, Beaumont a besoin de 8 par semaine. Voilà. Et Beaumont n'avait pas encore répondu à sa propre demande d'acier, donc... Beaumont d'abord prend l'acier. Et une fois que Beaumont sera satisfaite en acier, l'acier pourra se stocker dans l'entrepôt direction la Nouvelle-Orléans. Un deuxième train, ça devrait le faire prochainement. Nouvelle-Orléans augmente bien, 91% de réponse à la demande. Ce qu'on veut, c'est 40 000 habitants. Les planches de bois pour la Nouvelle-Orléans et l'acier pour la Nouvelle-Orléans. Donc l'acier, je viens d'y répondre. Les planches de bois, donc fabrication à Beaumont. Beaumont planche de bois, stock 0 sur 24. À mon avis, on ne produit pas assez. Malgré qu'on soit niveau 2. On va passer niveau 3. Parce que les planches de bois sont consommées par d'autres villes aux alentours. Bien rentable, on gagne 247 000 par semaine. Nouvelle-Orléans augmente. Et notre Beaumont-La Nouvelle-Orléans. Le premier train revient vers la Nouvelle-Orléans. Vers Beaumont, pardon. J'en ai fait qu'un. Oui, j'en ai fait qu'un.
en faire un deuxième. Hein. Le deuxième est là, il se charge de sucre. On peut lui dire... Non, il a, ouais, priorité planche, priorité acier. Ok, non, c'est bon. On est bon. Le premier, il arrive, il revient. Il est en attente, on n'a que deux voies ici. Peut-être va faire passer à quatre voies. Ah ouais. Ouais, la voie est très utilisée. On va passer à quatre voies à Beaumont. Au moins sur le début du trajet. Voilà, grille de gare à 4. Ah oui, on a la tour de ravitaillement qui nous gêne, on va la... détruire également et la reconstruire dans la foulée. Ok, c'est mieux, ça va mieux circuler comme ça. Alors Beaumont, la Nouvelle-Orléans, le premier train est en cours de révision. On va voir ce qu'il charge dans un instant. Toujours du sucre. On n'a toujours pas notre acier et nos planches. Alors, on manque un petit peu de bois à Beaumont. Alors, où est-ce que Beaumont prend son bois ? Deux endroits différents, d'accord. Donc ici, livraison de bois pour Beaumont. On a un seul train. À mon avis, ça suffit pas. On va mettre un deuxième. Ouais. Il est plein. Plus de bois pour Beaumont. Donc plus de bois, plus de planches. Il en restait que 1,4 en stock, c'était pas suffisant pour fabriquer des planches. Voilà, l'industrie de planches, Titrou se remet à tourner, on est en train de produire des planches. C'est impeccable. Et l'acier, il y a 4 d'acier qui sont en train d'arriver pour Beaumont. Il y a une demande par semaine de 8. Hein. Il n'y a pas assez d'acier qui arrive à Beaumont, rien que pour Beaumont. Voilà les 4 qui sont en train d'arriver. Et le premier train va charger quoi ? Vous avez des problèmes avec la fiabilité de vos locomotives ? On prend de la viande et de l'acier pour Beaumont. Je pense qu'on peut mettre un troisième train. Parce qu'on n'aura toujours pas assez d'acier pour que ça puisse ensuite partir avec l'entrepôt à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans qui doit être peut-être à 30 000 habitants maintenant. Allons voir. Non, 25 000. Pas encore 30 000. Dès qu'on est à 30 000, on va faire un bureau d'immigration pour augmenter notre immigration de 30%. Voilà. Bah écoutez, moi, ce que je vous propose, on se retrouve au prochain épisode pour finir cette livraison d'acier et de planches de bois et découvrir nos prochaines tâches dans ce chapitre 4 de la campagne de Railway Empire 2. D'ici là, le plus important, portez-vous bien, jouez bien, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.